Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Nous avons vraiment trouvé grâce à ses yeux pour que ce matin nous soyons dans sa maison, afin de pouvoir aussi avoir communion surtout avec lui et aussi avec nos frères et sœurs ensemble, et aussi de pouvoir écouter sa parole et aussi de pouvoir elle aussi s'appliquer à ce que le Seigneur nous dit. C'est précieux et c'est merveilleux de pouvoir réellement être là assis à ses pieds pour réellement entendre la parole de notre Seigneur qui nous montre réellement la voie juste à pouvoir suivre. Que Dieu bénisse mon précieux frère. J'étais heureux en étant là, en écoutant et en voyant aussi comme l'écriture qu'il lisait et qu'il a lu dans le livre de Corinthiens. Et certainement, c'est vrai, nous devons avoir cette assurance de maintenant. Être sûr et certain que nous ne sommes pas à gauche ni à droite. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, il est absolument important que tu puisses réellement examiner ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu es réellement et qu'est-ce que ton cœur à toi réellement arrive. C'est parce que la Bible dit, si ton cœur te condamne, tu es plus grand que notre cœur. Donc, en rapport avec la marche du Seigneur, il s'agit de ton salut, il s'agit réellement de ta destination éternelle. Donc, il faut réellement que... Vous savez, l'apôtre Paul, il dit une parole, il dit ceci, il dit, mais je ne cours pas comme battant l'air. Donc, auparavant, effectivement, il tâtonnait comme ça, hein, il avait la théologie des Gamaliel, ainsi de suite, évidemment. Mais là, il a pu avoir une assurance, une certitude que même lorsqu'on le frappait, on le jetait des pierres dessus, mais cela ne pouvait même pas le faire défaillir de sa position. Parce qu'il était certain que ce n'était pas un homme, qu'il avait réellement aussi fortifié dans cela, qu'il avait rassuré, mais le Dieu de ses pères, en fait, il lui a donné cette assurance en se révélant en lui, en lui montrant réellement la voie juste. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ces gens-là que tu considères comme étant des néants, effectivement, des voyants à tes yeux, effectivement, parce que tu es un grand docteur, évidemment, comme tu étais sous par Gamaliel, il dit, mais c'est moi, en fait, que tu persécutes. Et cet homme s'est tourné la tête, évidemment, il était tellement choqué dans son cœur, il dit, mais c'est pas possible. Donc, pendant tout ce temps-là, je ne te connaissais pas, j'étais dans le terrain, effectivement, même maintenant, à tel point de dire, fort, il dit, mais je ne consultais ni la chair, ni le sang. Je pris simplement le parchemin. Je suis parti dans les déserts. Il dit, Seigneur, maintenant, instruis-moi. C'est merveilleux de voir comment vraiment un homme qui a une relation avec Dieu, auquel Dieu a accordé la grâce de pouvoir réaliser que ce Dieu est vivant, il veut réellement que Dieu le vide de tout ce qu'il avait, comme vous avez une idée préconçue, des choses aussi dans sa pensée, ce que moi je sais, ce que moi je pense. Il veut maintenant que Dieu l'instruise. C'est comme ça qu'il dit, mais je partais dans les airs d'Arabie pendant 3 ans. Là, je suis resté là et je méditais la parole de Dieu. Et puis, il pouvait sortir de la maintenant, il me dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, de le sein de ma mère, de révéler à moi son fils, alors il a trouvé réellement aussi. Il était sûr et certain, lorsque les hommes à gauche et à droite, effectivement, parlaient du mal de ces sauveurs, de ces Jésus qu'on considérait comme étant un enfant légitime, un bâtard, de Marie, qu'on disait effectivement qu'il avait un sérieux problème, effectivement, et qui disait, mais son origine est quand même problématique. Ces Jésus-là ne voulaient même pas s'approcher, et que les prisiens, les saducéens, tous les sanhédrins disaient, mais si quelqu'un l'approchait, ou même quelqu'un disait qu'il était, alors il serait exclu de la synagogue. C'est Jésus-là, donc, à l'époque, il avait pris position pour cela aussi. Ces jours-là, il pouvait réellement se tenir debout et reconnaître réellement en qui il avait cru. Il avait l'assurance. Frères et sœurs, nous ne venons pas ici pour entendre les discours d'un homme. Nous venons pour nous préparer parce qu'un jour, viendra où le souffle que vous avez sera retiré. C'est maintenant qu'il faut être sûr. Être sûr et certain. Ne suivez pas quelqu'un par mouvement. Mais soyez convaincus. Que réellement là, parce que Dieu veut travailler avec des hommes frères, des hommes et des femmes au caractère. Amen.
Vous vous souvenez dans le Sainte Écriture, c'est écrit, frères et sœurs, vos précieux frères, à mentionner un peu, mais dans le Sainte Écriture, c'est écrit concernant l'âge dans lequel nous sommes. Vous vous souvenez? Il dit, et le Seigneur donne même un conseil, il dit, mais puissiez être froid. Vous vous rendez compte que Dieu dit cela? Regardez bien, hein? Parce que pour que vous puissiez comprendre à quel point tâtonner n'est pas être certain, un pied à gauche, un pied à droite, un pied à gauche, il y a un problème. Regardez bien, dans le livre de l'Apocalypse, je pense que c'est cela, au chapitre 14, hein? Donc on a vu Apocalypse 10, pardon, au chapitre, pardon, je crois que c'est 3, je pense que c'est cela, au chapitre 3 d'Apocalypse, merci. Voilà. Verset 14, il dit, « Écris donc à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais une chose que tu n'es ni froid ni bouillant. » Oh là là. Vous connaissez, vous entendez ça, non? Il dit, je connais vraiment tes œuvres. Ce n'est pas l'âge de fête auquel le Seigneur s'est réfère ici. C'est l'âge dans lequel toi et moi nous nous trouvons. Il dit, je connais tes œuvres. Il dit, mais je sais une chose que tu peux crier, tu peux te dire, mais je sais une chose quand je sonde ton cœur. Malgré tout ce que tu peux prétendre, effectivement, il dit, mais quand je sonde ton cœur, je sais une chose que tu n'es ni froid ni bouillant. Alors il dit ici, il continue, mais puisses-tu être froid? Vous vous rendez compte que le Seigneur le dit, hein? Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est-à-dire que, mon frère et ma soeur, il faut vraiment que tu prennes une position. Amen. Aussi longtemps que tu es dans l'incertitude, il y a un problème. Pour que Dieu t'aide à marcher, il faut que tu prennes une position. Amen. Lorsque tu es entre deux choses, il ne peut rien faire. Parce que Dieu ne va pas t'obliger, il ne va pas t'épouser. Il faut que toi, tu... Ici, c'est pourquoi on entend la parole, pour que tu puisses voir la différence entre ce qui est mal et ce qui est bien. Il dit, voici, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Tu choisis ce que toi tu veux. C'est quand tu choisiras que moi, maintenant, je peux te dire, mais si tu prends la voie de la malédiction, voilà ce qui va se passer. Il dit, prends la voie de la bénédiction, voilà ce qui va se passer. Mais tu es au centre, au milieu. Il faut que tu fasses un choix. C'est pas moi qui vais te pousser. Voyez-vous, depuis la création, quand le Seigneur, notre Dieu, a créé l'homme, il a positionné là, il l'a mis là déjà. Il lui a donné quelque chose qu'il n'a jamais retiré. Le libre arbitre. Amen. Dieu ne fait pas de nous des robots. Hein. Non, le Saint-Esprit n'est jamais venu pour faire de toi et moi le robot. Non. Tu as la liberté, même étant assise là, ma soeur, mon frère, jusqu'à aujourd'hui, je m'en fous, je n'en ai pas besoin. Amen. Ou j'accepte, je le veux. Jusqu'aujourd'hui. Même quand le Saint-Esprit vient en toi, tu as la liberté. Amen. Puis s'il te conduit, il vient, il dit, mais va sur, tu peux dire, sinon je ne veux pas. Amen. Mais quand tu es des dieux. Amen. Parce que tout ce qui est au-dedans de toi ne peut pas combattre la vérité. Amen. 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 Oui, non. Amen. C'est impossible. Parce que tu sais d'où tu viens. Amen. Cette origine. Donc, absolument nécessaire. Et puis, il dit, mais puisses-tu être froid ou bouillant? Donc, c'est un conseil qu'il donne. Alors, il dit, mais parce que tu es tiède, donc tu mélanges le froid et le chaud, je prends ici, je prends là, je mets tout ensemble. Il dit, mais puisses-tu, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et vous savez que l'homme peut oublier quelque chose. Parce que nous sommes des hommes limités. Mais Dieu, non. Amen. Il a dit dans l'Ancien Testament, il dit au peuple d'Israël, mais moi, l'Éternel Dieu, je veille aussi bien sous la malédiction que sur la bénédiction. Donc, ce qu'il a dit ici, il veille bien sur cela et il observe. Il dit, mais je t'ai vomiré. Tu es toujours la communion, toujours avec toi-même. Mais il dit, mais je t'ai vomiré de ma bouche. Ces temps, et nous allons le voir dans cette écriture, Dieu nous permet de plus avoir que les temps. Donc, l'espace-temps dans lequel nous nous trouvons, un jour, ça passera. Où est-ce que toi, tu seras, en fait? Si aujourd'hui, tu joues avec les deux pieds, là, ici, je ne suis pas certain.
je ne suis pas tellement sûr et certain. Il y a un problème. Imaginez que la mort te surprenne dans l'incertitude dans laquelle tu te trouves. Imaginez, frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, nous attendons un événement glorieux, merveilleux, dans lequel nous chantons tous. Et que tu sois toujours dans, je ne suis pas sûr, je suis probablement, c'est vrai, probablement ici, probablement, je ne sais pas. Et que, soudainement, le souffle de soi enlevé, tu partirais dans quel état? Réfléchissez, frères et sœurs, c'est dans l'état dans lequel tu te trouves que tu vas partir, dans l'incertitude. Alors tu appartiens à qui? Est incertain. Parce que celui qui appartient à Dieu, il est certain. Amen. Il sait au moins d'où il vient et où est-ce qu'il va. Sa destination, il la connaît. Et nous prions que Dieu, notre Sauveur, accorde vraiment la grâce à chacun de nous pour que nous ne prenions pas à la légère, en fait, notre engagement dans les choses de Dieu. Et que c'est vrai, que Dieu bénisse notre frère. Ne suivez pas des hommes comme, c'est bon, on doit marcher, on doit... Vous savez, je reçois beaucoup de questions des frères, mais que Dieu bénisse, parce que, frère dans le ministère, évidemment, je ne vais pas citer son nom, mais il pose des questions parce que, vous serez étonné de savoir de quel côté la personne se trouve, parce qu'il pose la question parce qu'il veut connaître la vérité. Il dit, nous nous sommes trouvés avec, et certainement là, ils ont tellement dit beaucoup de choses, la parole. Il dit, si je vous montrais les emails que je reçois ici, vous serez étonnés. Et lui, il dit, mais frère, je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que toi, tu dis de cela? Je peux vous l'imprimer, vous le montrer. Mais c'est simplement pour dire que le peuple de Dieu a besoin de pouvoir connaître réellement les choses justes en rapport avec la parole de Dieu, pas la pensée de l'homme. Pour que nous puissions réellement prendre position pour les choses de Dieu. Nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur, de ce que dans un âge comme celui-ci, alors que tout tâtonne dans les ténèbres, Dieu a envoyé un message. Du temps du soir, la lumière qui a brillé effectivement dans les ténèbres, pour que vous et moi, nous puissions voir la différence de choses. Et que nous puissions réellement prendre position pour ce qui est de Dieu, effectivement, alors que nous tâtonnons dans la domination où nous étions. En allant gauche, à droite, on nous faisait avaler n'importe quoi, mais au temps marqué de Dieu. Amen. Amen. Nous avons trouvé grâce à ses yeux pour que nous puissions entendre le son précis de la trompette de Dieu, la parole de Dieu, pour que nous prenions position. Ayant pris cette position, Dieu, et quand nous sommes sincères avec Dieu, Amen, dans la droiture, il ne vous abandonne pas. Amen. 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 Il veillera, et quand tout au long du chemin, les circonstances arrivent, il veillera. Il vous conduira, il vous fera marcher, effectivement. Vous savez, un enfant de Dieu, si simplement il peut faire confiance au Seigneur, le Seigneur fera avec lui de grandes choses. Qui dépassent, effectivement, aussi l'entendement des hommes. Et les gens peuvent se poser la question et dire, mais qu'est-ce qui se passe, évidemment? Oui, c'est Dieu. Vous vous souvenez quand même avec Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton père et ta mère et ta patrie. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Il était bien, et puis il doit quitter. On le prend pour un fou. Mais c'est la manière de Dieu de pouvoir agir. Mais vous également aussi. Ah bon, lèvons-nous, nous allons prendre une écriture ici, que Dieu nous aide. Dans le livre de... Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Le livre de Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16. Nous pouvons lire à partir du verset 25. Jean 16, verset 25, qui dit, « Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. » C'est merveilleux, hein? Vous savez pourquoi le Père nous aime? Oh, c'est merveilleux, frère. Il dit, le Père lui-même vous aime. Vous savez pourquoi il nous aime? Nous allons lire, regardez aussi. Il dit, parce que le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti des dieux. Ce n'était pas facile en son temps. Hein. Et puis il dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père.
C'est vrai que quelqu'un qui pouvait le regarder là, vous dites, mais c'est le fils de Marie, non? Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient et il est déjà venu, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde. Nous voulons te dire merci, Père. Que la grâce pour nous et quelle consolation de pouvoir réellement être compté parmi les tiens, mon bénémoine Père Saint. Savoir que tu es réellement notre sauveur, notre Dieu, notre puissant rédempteur, mon bénémoine Père. Et ce matin, nous voulons te glorifier encore. Nous voulons élever nos voix devant ton trône de grâce et te remercier pour tes compassions, tes consolations, mon bénémoine Père Tissant. Aussi pour cette parole que tu nous donnes encore, mon Père, depuis, mon Père, au chantier des chants, des cantines, les psaumes, mon Père, Dieu, la parole de Dieu, mon Père, nous allons fortifier et consoler aussi, mon bien-aimé Père Saint. Nos cœurs s'attendent encore à toi, encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Divin. Ce peuple est à toi, mon Sauveur. Puis suivez-moi, mais pardonnez-moi, roi. Et m'accorder la grâce d'être également un instrument pour toi, comme toi tu le veux, Père Saint. Et mes gourdes, mon bien-aimé Père Saint, lave, nettoie, lève ce qui est de l'homme. Mais seulement, dis ce que tu as appris à ton peuple de Père, parce que nous voulons t'entendre, nos pères. Nous voulons marcher avec toi, mon bénévole Père Saint. Puisses-tu avoir pitié, miséricorde, mon sauveur. Accorde-moi la grâce, mon bénévole Père. Bénis ton peuple encore ce matin. Oui, soutiens le Père. Soutiens-nous tous, mon roi. Je t'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours merveilleux quand nous lisons le Maître lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, qui parle à ses disciples. C'est tout à fait particulier. Et là, nous réalisons que lorsque il dit la chose, ce qu'il dit a un poids aussi fondamental pour le croyant. Parce qu'ils entendent effectivement de la bouche du maître, parce que c'est cela que les disciples ont eu à pouvoir, parce que l'évangile qui prêche, c'est ce que le maître a prêché. Ils ont eu à pouvoir apporter effectivement aussi, parce que quand vous voyez même quand l'apôtre Paul parle de la Sainte-Seine, il a pris ça de ce que le maître avait donc enseigné, qu'il a fait. Donc effectivement, ici, il l'a dit lui-même dans les Saintes Écritures, mais allez, le Seigneur enseigne ce dont je vous ai donc prescrit. Donc il fallait d'abord que les disciples soient d'abord instruits, parce que sinon, qu'est-ce qu'il va apporter? C'est vrai, non? Parce que le Saint-Esprit qui est venu allait le conduire dans toute la vérité pour le rappeler les choses que le maître avait aussi enseignées et instruites, maintenant plaçant les choses aussi comme le maître voulait qu'elles soient. Et là, effectivement, il a vécu avec eux, ils étaient avec eux, consolés de pouvoir réellement la voir continuellement, et il regardait, et il observait, effectivement. Et il aimait beaucoup aussi. Hein, et là, et quelque chose s'est passé déjà, parce que là, comme il parle, la Bible nous fait savoir qu'il dit que tu me parles maintenant ouvertement. Et puis, ils ont bien compris. Il y avait déjà cette étape-là qui était passée, où celui qui devait réellement le trahir devait donc partir ainsi de suite. Et comme l'Écriture le montre aussi, parce que vous pouvez le voir, même quand il a prié, il dit, mais je gardais en ton nom tout ce que tu m'as donné. Non, sauf le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc le fils de la perdition, lui, il devait donc arriver à pouvoir réellement accomplir ce qu'il devait donc. C'est pour ça, vous voyez, frère et soeur, notre frère, que Dieu le bénisse, vous voyez, Judas l'Iscariote était toujours là dans l'assemblée. Assis là aussi, vous savez, si quand les gens pouvaient le voir, ils disaient, oh, quel disciple, Judas, il dit, vous savez, en plus, il veut, quel disciple, effectivement, il était assis là, mais en fait, il guettait. Il guettait un peu pour trouver une occasion. Quand vous avez un double cœur, c'est un problème. C'est pas que parce que, non, c'est l'écriture qui nous montre, frère. Je sais pas comment Dieu peut nous parler pour que nous comprenions que, aussi longtemps que nous sommes cet éteint, il faut que nous abandonnions ce que moi je pense qu'il faut que nous laissions le Seigneur agir dans notre cœur. Amen. Amen. Parce que quand il est double, c'est qu'il a un problème. D'abord pour toi-même, tu n'es jamais en paix.
Si il est double, tu sais que bon, ben tu là, tu dis A, ici, A, tu dis B, puis tu mélanges avec les C, on ne sait plus très bien où tu es. Et Judas était comme cela. Et quand on pouvait le voir, c'est vraiment triste, frère et soeur. Cet homme, vraiment, quelle tristesse. Cet homme aussi, vraiment, qui parmi nous aussi n'aurait jamais aimé sa soeur? Moi, je serais là, même en lui lavant les pieds tous les jours. En faisant pour les poussières qui sont sur les pieds, en le suivant, tout, c'est vrai, frère. S'il m'a donné la grâce, mais quel bonheur. Amen. Je suivrai ses pieds tout le temps. Je suivrai, je pousserai, je vais pousser sa robe tout le temps. Partout où il va, je suis là. Amen. Son boy, son tomboy, son domestique. Moi, la vie, puis oui. Ah ben oui, frère. Moi, j'aimerais ça. Amen. C'était là, frère. Mais je serai tout le temps. C'est vrai, frère. C'est parce que ce qu'il est pour nous, c'est plus que cela. Oui. Et cet homme-là avait cette occasion de pouvoir s'asseoir comme vous et moi ce matin. Et d'entendre le maître qui parlait, frère. Il pouvait le voir, comment il vivait, comment il priait pour le malade, comment tout s'est passé, effectivement. Il écoutait, mais son cœur était doux. Au lieu d'écouter la parole pour avoir son salut, il cherchait des erreurs. Il cherchait des occasions. Il dit, mais oui, parce que j'ai entendu là-bas qu'il y a un problème avec les pharisiens et les saïens. Il faut que je trouve l'occasion de pouvoir le vendre. Je suis là, mais je ne suis pas avec eux. Je vais parce que mon mari m'oblige peut-être, ou bien mon oncle m'oblige, ou bien mon cousin m'oblige. Si je n'étais pas marié avec lui, mais je ne serais même pas à cette assemblée, je serais autre part. Un exemple. Vous comprenez? Donc quand c'est comme ça, c'est un homme. En tout cas, je voudrais que Dieu soit béni. En parlant cela, une pensée que Dieu bénisse notre soeur Bambino et son mari, un précieux frère. Frère Noël, vraiment que Dieu le bénisse. Amen. Vous voyez que vous pouvez, quand vous aimez tellement Dieu, amen, vous n'avez pas obligé, mais parce que mon mari va, je suis obligé de voir. Non, vous devez montrer votre couleur. Amen. Si vous n'êtes pas bien ici, que votre mari vienne, vous pouvez aller où vous voulez. Notre soeur m'a béni là, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Amen. Il a dit à son mari, il dit, non, dans l'assemblée où tu te trouves, moi, ce n'est pas ma place. Alléluia. Moi j'ai un lieu que Dieu m'a donné. Alléluia. Et c'est là où je sais effectivement où j'écoute la parole de Dieu. Oui. Il a parlé à son mari. Son mari dit, mais ma femme, il n'y a pas de problème. Amen. Va ton chemin. Amen. Moi je me tiens là. Oui. Vous la voyez, non? Oui. Et avec tous ses enfants, elle est là. Amen. Et son mari dans la joie. J'aime beaucoup sa femme. Et c'est vrai. Amen. Et son mari dans la joie, c'est notre Amen. Frère. Oui, c'est vrai. Amen. Et il voit sa femme, il dit, oh, les enfants, pas de problème. Quand elle est à la maison, l'être dit, oh, tout va très bien. Mais que Dieu bénisse ce foyer. Amen. Donc ma soeur ne dit pas que parce que ton mari vient ici, tu as envie d'aller là-bas de l'autre côté. Oh, je ne peux pas. Vas-y. Sens-toi à l'aise. Il hein, ne faut pas venir parce que je ne sais pas pourquoi le Seigneur pousse comme ça, mais je crois qu'il y a un problème. Amen. Il y a quelque chose qui n'est pas droit quelque part ici. Oui. On ne m'a rien dit, il ne faut pas dire qu'on me dit non. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas droit. Alléluia. Donc si toi, soeur, si toi, frère, tu es dans cette condition-là, répare ta vie avec Dieu. Alléluia. Il parle une fois, il parle deux fois, troisième fois. Après, tu ne sauras plus revenir. Ne te force pas, je me tiens, je m'accroche parce que sinon, si on ne me voit pas, on va se poser des questions. Je vais vous dire, ma soeur, si vous prenez cette décision-là, je sers Dieu, il me conduira de ne pas vous appeler. Amen. C'est vrai, vous ne vous tracassez pas. Si je ne vous appelle pas, ce que je sais qu'il m'a conduit à ne pas vous appeler. Donc, il ne faut pas venir ici, il ne me voit pas, il va. Non, 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 c'est tout pas. Quand tu veux prendre cette décision d'aller où tu veux, vas-y en paix. Nous prions à Dieu vivant. Amen. Il va dire, ne le dérange pas, laisse-moi. Je continuerai avec ce que Dieu m'a fait. Il ne faut pas te tourmenter. Il faut être en paix. Amen. Alors, là, évidemment, comme les choses se voient, alors là, la Bible fait savoir qu'il y a eu un moment où, maintenant, le Seigneur, lui, s'est ouvert. Vous vous souvenez encore dans les scènes d'Écriture, je pense que nous avons lu avec vous l'autre fois ici, c'était donc toujours je crois dans Jean, c'est là, oui. Vous remarquerez très bien qu'il s'est passé quelque chose pour que le Seigneur maintenant se tourne vers ses disciples et qu'il leur donne la promesse glorieuse. Vous savez laquelle?
je m'en vais vous préparer une place. Amen. Avant qu'il donne cette promesse-là, il fallait que quelque chose se passe. Que Judas l'Iscariote s'en aille. Il ne pouvait pas donner la promesse, effectivement, pendant que Judas était encore là. Vous direz, mes frères Léonard, c'est vrai, regardez très bien, nous avons lu avec vous ici. Vous allez dire, mes frères, ils nous racontent parfois des histoires. Regardez bien, Jean chapitre 13. Vous vous souvenez du chapitre 13, Jean? À deux pieds, n'est-ce pas, oui? Bon. Verset 21. Chapitre 13, hein? Verset 21, il dit. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Parce que je ne pense pas qu'ils pouvaient soupçonner. Judas, on ne peut même pas le soupçonner parce qu'il dit comment, on ne peut même pas penser, mais tous ici avec le maître, nous souffrons avec lui, qui peut vouloir livrer le maître, c'est pas possible. Vous vous souvenez? Parce que vous, c'était, parce que tous les jours, on partait ensemble, effectivement, et prier ensemble, mais qui peut, en ce moment, vouloir vous mettre, et haïr le maître dans le cœur à tel point qu'il puisse vouloir le livrer aux autres. Regardez. Verset 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était donc couché sur le sein de Jésus. Ah, voyez-vous même, il y en a eu un avant moi, hein, qui lui, oh là 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 là, il s'est couché même sur lui. C'est quoi ça, c'est quoi ces gens, hein? Qu'il avait tellement, comme moi, j'ai dit, moi j'allais essuyer ses pieds tout le temps. Lui, il avait la place de voir mettre sa tête sur lui comme ça. Quelle grâce. Amen. Vous savez, quand vous aimez tellement, c'est ce, vous voulez tant l'être avec lui, c'est, ça fait partie de votre vie. Hein. Amen. Ah oui, vous ne voulez pas dire ça, frère. C'est une grâce de connaître le Seigneur. Amen. Quel bonheur, frère. Amen. Je ne peux pas qu'elle est dit, quel bonheur de marcher. Alléluia. C'est vrai. Oui. Nous aimons tellement notre Dieu que nous voulons vivre toute notre vie rien qu'en chantant pour lui. Amen. Alors il dit, un des disciples, que Dieu te bénisse, mon grand. Un disciple, celui que Jésus a mis, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit signe de demander, vous voyez, parce qu'il dit, oh, c'est pas possible, mais toi qui aimes, tu vois dans le cœur, il dit, demande un peu, il va te dire. Demande-lui, il va te dire. Parce que la Bible dit, non, Simon Pierre lui fit signe. Il pouvait demander aussi, hein. Mais il dit, mais on sait qu'il t'aime beaucoup, hein. Toi, on sait que lui, il t'aime beaucoup. Il aime tout le monde. Ouais. Il dit, mais parce que tu vois, tu es toujours là avec lui, il t'aime beaucoup. Alors il dit, mais demande-lui, hein. Il fait dire, demande ce qui était ce dont il parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus. C'est merveilleux, hein. Oh, oh, oh. Lui dit, Seigneur, qui est-ce? Pierre n'avait pas tort. Il n'était pas jaloux, mais il trouvait, non, mais il l'aime, mais c'est pour nous aussi, hein. Alors il dit, mais comme toi, tu es prêt, alors demande-lui, hein. On va pas dire, oh, c'est toujours toi qu'on aime. Non. Non. On comprend que cet amour est pour nous aussi. Amen. Et puisqu'il t'aime quand même, il va te dire beaucoup, hein. Alors qu'il te dit, c'est toi, viens nous dire. Amen. C'est ça l'amour, frère. Amen. On devrait être comme ça. Amen. Alors il dit, oh, il dit, Seigneur, qui est-ce? Et Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Donc si Pierre n'avait pas fait comme ça, à celui qui était, on n'aurait pas pu entendre ses paroles. Hein? Donc il fallait que Pierre dise, mais toi, il t'aime. Hein? Alors demande-lui la question. Et puis il a répondu. Il dit, c'est lui qui lui met. Donc ils ont compris, ah, celui qui enverra le morceau. Alors maintenant, écoutez bien, il te dit, mais. Et ayant trempé le morceau, il les donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Vous vous souvenez ça? Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas, oui. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Donc il n'avait même pas soupçonné quand il dit, bon, malgré que ça a été donné à lui, il vous dit, mais c'est pas possible. Il dit que la pensée dit, mais Judas est de nos frères. Non. Donc la pensée venait, non. Vous ne voulez pas en fait. Et quand la chose a été faite, l'Écriture nous dit ici que, car
Quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Vous voyez, frère, c'est toujours bon d'avoir toujours des bonnes pensées. Amen. Peu importe ce que vous voyez. Amen. Mais toujours la bonne pensée. Amen. C'est pour l'amour de Dieu, évitez toujours de parler toujours en virgule à l'endroit de ton frère ou de ta soeur. Amen. Ou toujours dire une parole pour qu'on voit, mais il n'est pas bon, il n'est pas bon. Il est bon. Non. Amen. Ayons toujours des pensées bonnes. Amen. Même si je vois. Amen. Je dois pas avoir de mauvaises pensées. Je dois penser toujours juste. Amen. Oui, c'est vrai, frère. Nous avons le Seigneur qui contrôle toutes choses. Amen. Oui, avec autant d'amour que nous avons de lui, il a le contrôle. Amen. Mais ce qu'il veut, c'est que toi, tu ne sois pas mêlé dans quoi que ce soit. Amen. Que ton cœur soit toujours droit. Amen. Pensant toujours, peu importe, même si la personne fait n'importe quoi, toi, pense toujours droit. Amen. Et le Saint-Esprit qui te conduit, te conduira pour pouvoir prier. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Bon, enfin, nous ne sommes pas là. Ben, il est bien. Écoutez, ben, il dit, mais c'est quand même important de voir comment il y avait quand même cette cohésion parmi les disciples. Parce que c'est quand même triste de pouvoir voir. Et d'abord, on réalise qu'ils n'avaient qu'un seul maître. Et ils avaient l'instruction venant du maître, effectivement. Et cela leur amenait toujours tous à voir cette communion, se sentir effectivement les uns avec les autres et dans les autres. Mais quand. Vous savez pourquoi Judas a eu ce problème? Parce qu'il avait toujours l'oreille chez les autres. Oui. Vraiment. C'est vrai ou pas? C'est vrai. C'est la vérité. Quand tu es toujours, qu'est-ce qu'on dit par là? Qu'est-ce que... Et puis, c'est normal, les autres savent que tu n'as pas la position. Oui. Et quand ils vont te téléphoner, oui. Ils savent, mais c'est un esprit. C'est vrai. Vous dégagez un parfum. Oui. Quand c'est un parfum ferme, on dit, celui-là ne touche pas. Alléluia. Il faut même pas le téléphoner parce Amen. Que... Mais quand on sait qu'il est un peu comme ça, gris, vert, rouge, noir, jaune, on ne sait pas très bien. Ah, il choque. Est-ce que je vais dire un mot, mais... On t'a au téléphone, ils savent très bien que quand Amen. Ils vont téléphoner là, Amen. Ils vont t'avoir tué quand Amen. Même les deux. C'est comme ça qu'était Judas l'Iscariote. Malgré qu'il était assis avec le maître, il n'était pas l'oreille avec les Sanhédrin, les Caïphes là-bas, les ceci et cela. Qu'est-ce qui se passe avec Caïphes? Ah ben non, ah ben, c'est normal. C'est tout à fait normal. En fait, tout ceci aussi, c'est pour notre instruction, dans notre marche avec le Seigneur. Il faut avoir confiance Amen. Au Seigneur. Savoir réellement que un fils de Dieu, une fille de Dieu, il faut la conduite de l'Esprit. Amen. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, et quand nous sommes à lui, il y a quelque chose qui doit se passer en nous. On continue. Alors il dit, verset 28, donc, oui, verset 28, je le dis encore, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau, il se hâta de sortir. Il était donc nuit. Où est-ce qu'il est parti? Donc, voyez-vous donc, tout ce qu'il y a en vous là, ça doit un jour Amen. Se manifester. Amen. Amen. Vous pouvez mettre la couche au-dessus. Amen. C'est une nature. Amen. Il faut que la parole de Dieu vienne. Quelque chose doit se passer. Amen. C'était toujours en lui. Il pouvait cacher cela. Je veux dire, il était bon, mais le Seigneur savait. Alléluia. Et la parole a actionné. Et sa nature est sortie. Et il a couru. Il pouvait peut-être aller chez lui à la maison. Non. Là où pendant qu'il était assis, ça travaille toujours. Moi, je ne suis pas ici d'ici, mais je suis avec les autres. Je ne suis pas d'ici, mais je viens quand même. Et puis, paf, ça s'est manifesté. Il est retourné chez les Sanhédrin, ainsi de suite. Parce que c'était l'occasion pour lui. Hein. Alors là, ici, il dit, mais il dit, il est très bien pour que vous sachiez que c'était vrai. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt.
Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Amen. Vous me chercherez, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Mais ça devait être douloureux. Amen. Être avec ceux-là que tu aimes et savoir que tu vas bientôt le quitter. Et dans quelles conditions encore? Être trahi par celui que tu aimais aussi. Que tu avais placé ta confiance, qui était là parmi les autres comme étant aussi votre frère et votre soeur, mais il vous guettait. Et c'est, parce que Satan cherche toujours une brèche. Hein. Vous savez, quand nous sommes tellement unis, nous avons tellement le même amour, la foi ensemble, et puis tu vas avoir des petits problèmes entre nous, on est tellement restés unis comme ça, Satan ne trouvera pas l'occasion. Il faut seulement qu'il y ait un qui lui n'est pas. Il est là. Mais c'est pour ça qu'il dit, mais ils sont sortis de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils seraient restés. Parce qu'avec des nôtres, on peut même se frotter, mais on est toujours là. Amen. Amen. Ouais, je ne suis pas content, mais c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est ma soeur. Ça, c'est une petite chose. Alors, quand on touche ton frère, ah, c'est moi qu'on touche. Amen. On touche l'enfant de ton frère, ah, c'est de l'ennemi. Amen. Frère, il faut qu'on arrive à ça. Amen. Quand on arrive à ça, Satan ne sait plus rien. Il sait qu'il a été vaincu. Donc, nous portons les fardeaux les uns les autres. Amen. Et nous voulons la victoire de mon frère. Amen. Nous voulons la victoire de ça. Amen. Je veux que mon frère soit heureux. Amen. Pourquoi je ne voudrais pas que mon frère soit heureux? Amen. Si Dieu lui donne des millions, je saute de joie. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Mais les millions de mon frère, c'est aussi mon million. Amen. Satan nous a... Frère, c'est vrai, c'est la vérité, frère. Ouais. Nous avons vécu une différente fois, mais Dieu nous a rassemblés. Amen. Pour que nous sachions que... Mais le bonheur de ton frère, là, Amen. Vous vous rendez compte, vous êtes un frère en Christ ici, eh bien, on vous donne un contrat de 45 millions d'euros par mois. C'est 45 millions d'euros par mois. Mais d'abord, moi, je saute de joie. Amen. Je suis... Mon frère gagne combien? 45 millions par mois. Mais il donne sa dîme. Amen. 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 45 millions, mais tu as la dîme de 4 500 000. Amen. Je suis déjà, je saute, je danse déjà. Amen. 4 500 000 là, j'ai dit, frère Momo, on ouvre un compte grand. Amen. C'est dedans. C'est la vérité. Amen. Parce qu'il n'y a aucun frère, aucune soeur qui ne voudra même, qui voudra pas faire chose pour la gloire de Dieu. Amen. Quand il l'a, il fera. Amen. Pourquoi? Parce qu'il aime tellement son Dieu que les billets ne vont pas pour lui. Amen. C'est pourquoi quand nous prions pour que nos frères trouvent du travail, c'est le bonheur de mon frère, c'est le mien. Amen. Quand tu n'as pas du lit à la maison, tu sais, on frappe. Amen. Vraiment. C'est chez mon frère. J'arrive là, je rentre chez moi, je fais un tour à la maison. Je ne veux même pas demander. Je fais un tour à la maison comme ça. Alors là, comment t'appelles encore? Frère Manuel, bonjour soeur, bonjour frère. Bonjour frère, bon, mon frère, comment il est là? J'ai dit, je ne sais pas ce qu'il peut. Bon, attends. Mais là, il descend dans la cave, là, vous le voyez là, il saute là, quoi. Il y a un sac ici. Mais qu'est-ce qu'il y a, frère? Frère, il dit, dans mon cœur, je dois te donner, j'ai sens. Amen. Amen. Donc, l'héritage qu'il a acheté, c'était pour lui. Amen. Alléluia. Vraiment. C'est vrai. Parce qu'il a compris que la présence de son frère ou de sa soeur dans sa maison, c'est une bénédiction. Amen. Et puis il a compris une chose. Il y a plus de joie. Ah, nous aimons donner. Quand on donne, on est heureux. Et puis quand tu donnes, Dieu te redonne. Amen. Et nous continuons dans Jean, effectivement, chapitre 16. Nous avons effectivement. Alors, il nous montre effectivement que là, il parlait maintenant avec ses disciples. Et il y avait une autre relation qui s'est réellement maintenant établie entre eux. Où le maître maintenant le regardait, parce que c'est 13, 14, 15, 16, et puis vous pouvez voir même la prière qu'il a fait dans 17, pour montrer réellement combien son cœur... Vraiment, notre maître nous aime beaucoup ses disciples. Quand vous l'aimez, c'est une grâce. Et parce qu'il vous aime beaucoup. Et là maintenant il commence à pouvoir parler, il a ouvert. Même les disciples ont senti en lui que là vraiment c'est encore plus ouvert. Il dit, mais maintenant tu nous parles ouvertement. Ça va tellement encore dans notre cœur, dans notre âme.
Nous savons, parce que tu sais, maître, nous avons marché avec toi, nous t'avons observé. Parce qu'il dit, mais même moi, Philippe. Vous voyez, même Philippe, qu'après que le maître soit parti, l'ange du Seigneur était toujours là. Il dit, mais va sur ce chemin-là, vous vous souvenez? C'est avec Philippe, non? L'eunuque éthiopien. Ça vous dit, non? Philippe, il dit, mais Seigneur maître, c'est vrai, j'étais là en train d'observer parce que j'entendais les influences des uns comme je dis, mais vous ne savez pas avec qui vous êtes là, c'est pas un messie, c'est un imposteur. Mais quand tu m'avais appelé, j'ai déjà eu à entendre les gens, ça sont même les pharisiens de chez nous, les sadducéens, comme on dit. Mais les jours où j'étais entendu juste ta voix, toi qui parlais là, qui, quelque chose est entré dans mon âme. Je ne sais pas comment expliquer, mais cette chose m'a tellement convaincu, mais c'est lui. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, Lydie? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous voulez douze? Je vous ai choisi, je vous ai aussi établi. Je n'ai pas tâtonné, moi, quand je tiens cette voix. Parce que non, quand je pose un acte, c'est un acte sûr et certain. Je t'ai appelé, toi, je savais pourquoi je t'ai appelé. Il dit, maître, ce jour-là aussi, je me dis, quand ça a passé dans mon âme, j'ai senti qu'il y a. Et puis, quand j'ai écouté, il dit, il y avait quelque chose, je dis, c'est pas possible. Même, souvenez-vous, il dit, mais ce jour-là, et qu'est-ce qui s'est passé, ce que ce jour-là? Quelque chose de tout à fait particulier s'était passé. Nous étions avec toi. Et puis, les Sanhédrins, là, les califes, ils ont envoyé des soldats pour venir te saisir. Tu étais en train de pouvoir prier. Nous étions en train de pouvoir. Et la foule était là. Les soldats sont venus en nous disant, oh oui, maintenant c'est fini. On va arrêter la main. Les soldats sont venus. Nous avons vu tout d'un coup ces gens. Rien que par la parole que tu as portée, comment la force commençait à pouvoir. Et ces gens, le cœur et l'âme, tout était complètement touché et changé. Ces hommes sont partis. Et nous avons entendu des témoignages. Quand ils sont arrivés, on leur a posé la question, mais enfin, parce que Caïphe était fâché, mais pourquoi n'avez-vous pas ramené cet homme? Maître, ces hommes-là, ils n'étaient pas avec nous. Mais ils ont dit, mais jamais. Amen. Jamais. Amen. Il dit, nous avons vécu avec vos califes et tout ça, les autres prophètes. Il dit, mais jamais. Jamais alors. Jamais quoi? Jamais alors. Homme n'a parlé comme ça. Amen. Alors quand j'étais là, effectivement, j'ai parlé, effectivement, j'ai rencontré Nathanaël. Nathanaël a voulu me faire secouer, bouger de ma position. J'ai lui dit, non ici. Alléluia. Amen. Amen. Nous. Nous avons trouvé. C'est lui de qui. Amen. Oui, c'est le prophète. Amen. Parlez. Jésus-Christ. Quand il a entendu cela, maître, il a dit, mais c'est pas possible. Il dit, tu veux trouver quoi, toi? Il a voulu me faire bouger. Il dit, mais peut-il venir quelque chose de là-bas? C'est de la boue là-bas. Je n'ai pas bougé. Amen. J'ai dit, viens toi-même. Amen. Et vois. Amen. Quelle assurance. Viens toi-même et vois. Et quand il va, il n'est plus la même personne. Ah oui, mon frère, et c'est là que l'Éternel tomba à genoux et adora dit, mais tu es le Christ. Amen. Le roi! C'est vrai cela. Il n'y a qu'un seul roi. Amen. Pour le juif. Il le savait. Amen. Non, frère, rencontrez cet homme de Galilée. Amen. C'est le plus grand bonheur. Amen. Vous le connaissez historiquement. Mais quand tu le rencontres, mon frère, tu l'aimes au-delà même de ta propre vie. Peu importe ce que les hommes peuvent avoir comme regard sur toi. Peu importe les critiques. Peu importe qu'on te critique dans ton habillement. Dans ce que tu es, tu t'occupes même pas. Tu as trouvé le plus grand bonheur. Nathanaël s'est jeté par terre. Parce qu'il a dit, oh, voici donc un Israël.
Quelle est la voix qu'il a entendue? Amen. Ça secouait son âme. Il dit, mais en lequel il y a un point de fraude. Il dit, mais ravi. D'où me connais-tu, ravi? Parce que ça touche là. C'était tellement la vérité que mon âme est restée. Oh, brûlant dedans de moi. Notre cœur ne l'était pas dedans de nous. Amen. Il dit, lorsque tu étais sous le figuier. Alléluia. Amen. Quand Philippe l'a tapé la main, je te voyais. Amen. Donc il voyait. Alléluia. Il voyait le cœur de Philippe. Amen. Il voyait la part que Philippe parlait effectivement à Nathanaël. Il te voit. Amen. 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 Il n'est pas loin. Amen. Il voit comment tu réagis. Amen. Il voit ton cœur s'il est droit ou pas. Amen. Il le sait. Il dit, mais quand Philippe t'a tapé là, je te voyais. Oh, Amen. Jésus, mon sauveur. Amen. Oui. Amen. Cet homme est tombé par terre. Amen. Mm-hmm. Le roi d'Israël. Il a reconnu de tout son cœur et toute son âme, effectivement. Et sa vie n'a jamais plus jamais été la même. Oui. C'est extraordinaire, frère, de pouvoir voir réellement ce que notre Sauveur a eu à pouvoir produire auprès des hommes, effectivement. Alors, c'est merveilleux. Et nous revenons dans le chapitre 16 ici. Et là, il dit, je vous ai dit ces choses en parabole, mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. Donc, ils avaient conscience, effectivement, que là, maintenant, il se tient devant eux en ouvrant encore davantage, parce que c'était des hommes qui étaient, malgré tout ce qui pouvait être dit et secoué, ils étaient restés quand même fidèles. Attachés à cet homme de Galilée. Et ils le suivaient, malgré ce que pouvait arriver à pouvoir entendre comme rumeur dans la foule. Parce que les Sanhédrin, tout cela, les Hérodiens, parce que tu vois, tous ces ennemis, c'était maintenant devenu. Enfin, les ennemis du Seigneur, qui ne s'entendaient pas d'abord, ennemis des ennemis, parce qu'ils étaient entre eux ennemis et ennemis, ils redirent ça du Seigneur pharisien. Mais comme ils avaient trouvé un ennemi commun, ah oui, ils ont trouvé un ennemi commun, c'est extraordinaire. Vous voyez, c'est vraiment merveilleux. Cet homme de Galilée, il est vraiment extraordinaire. Ils ont trouvé un ennemi commun. Là, ils sont devenus amis. Sa vie aussi a influencé. Hein? Les ennemis sont devenus amis pour être maintenant contre lui. C'est pour dire que la bonté de Dieu surpasse tout. Même dans ces circonstances, il va se dire, oh, comment ça se fait que le fait que nous détestons cet homme-là, entre nous, on avait la guerre entre nous. Mais on commence à s'entendre, toi et moi. C'est vrai, non? Les saints du Seigneur, les pharisiens, les hérodiens, tout ça. Pourquoi leur cœur est devenu uni entre eux? Parce qu'ils avaient la haine à l'endroit de Jésus. Je vais vous dire une chose, frère. S'il vous plaît. Vous voyez la fleur rose, non? N'est-ce pas vrai? Quand vous prenez la rose, quand vous l'écrasez, elle dégage des parfums. Là. Parce qu'il n'y a rien de mal dans la rose. Il a dit lui-même, notre maître, il faut que nous le connaissions, il a dit, quiconque parlerait du mal de moi, pardonnerait. Vous le saviez? Vous le saviez? Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, alléluia. Lorsque le Saint-Esprit viendra, le blasphème, parole contre, ne sera jamais pardonné. Et là, effectivement, il pouvait arriver à pouvoir voir que malgré tout cela, le cœur de ses disciples à lui, vous savez, il les a fait passer par aussi des épreuves pour voir en réalité effectivement ce qu'il y avait aussi au-dedans de leur cœur. Vous vous souvenez?
Frères et sœurs, je veux que vous compreniez ces choses pour que vous sachiez que hériter les choses de Dieu, ce n'est pas une chose que vous allez ramasser. Et être comme vous êtes là, dit bon, on va hériter. Nous l'avons entendu. Si nous souffrons avec Dieu, vous voulez trop de facilité et surtout, vous vous complaisez en vous-même. Il ne faut jamais faire confiance en vous. Le monde vous dira, il faut avoir confiance en vous. Mettez votre confiance en vous. Il faut que vous plaisiez en vous-même pour que vous vous sentiez bien. Mais moi, je vous dis, ne faites pas confiance en vous. Ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Faites confiance. Moi, je suis incapable. Mais je sais qu'il est capable. Alors quand je ferai confiance en lui, alors lui me rassurera en moi. Alors je serai rassuré devant les hommes. Les choses seront tout à fait différentes ce moment-là. Là, il a pu réellement aussi les éprouver pour voir en réalité ce qu'ils étaient par rapport à la parole de Dieu. Vous vous souvenez, ce jour-là, les Juifs le suivent toujours, hein? Et puis il s'est tenu des bons. Vous laissez la parole. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ah oui, ça tout le monde le sait. Il dit, mais ils sont tous morts. Et moi ici, je dis lui, moi ici, je suis le pain. Le pain vivant qui est descendu du ciel. Ce que vos pères ont mangé. Ce n'était pas le pain de vie. Il dit, moi, je suis le pain de vie. Amen. Les disciples étaient là. Il dit, vos pères, là, parce que ça, ils ne savaient pas. Vos pères, ils ont mangé les malades. Ils sont tous morts. C'est parler des dieux. Je crois que c'est dans Jean chapitre 6, hein? Je pense que c'est ça. Je ne me trompe pas. Jean chapitre 6. Qu'est-ce que c'est extraordinaire, verset 32. Je suis vrai, le temps. On va s'en vite, mais le temps fout vite aussi. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Jean chapitre 6, verset 32. D'abord, nous allons lire verset 28. Il lui dit, mais que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus lui répondit, l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Mais quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. C'est ce qu'ils ont dit. Hein? Alors là, il dit oui, parce que ça, nous savons que Moïse l'avait dit et que Moïse aille pouvoir faire des miracles. Oh, que tu sois béni pour moi, c'était merveilleux. Et puis, il s'est trouvé devant eux. Et quand on le regardait un peu, il n'avait ni bouteille là. Vous savez, vous pouvez passer à côté de lui comme si c'était pas quelqu'un qui. C'était pas des grands comme des grands, ce qu'on va passer à côté de lui pour le mépriser d'ailleurs. Mais c'est Simon, en fait. Voilà, Simon. Il avait invité chez lui. Il a invité. Et puis, quand il est venu, il a vu un gringalet qui vient. Il n'était même pas assez intéressant. Il n'avait pas voulu donner la bonne place. Il a même oublié de donner la place à ceux qui venaient à gauche et à droite. Et maintenant, il dit, mais ils ont mangé la manne, il leur donna le pain du ciel. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Alors là, il y a un problème. Parce que ce que Moïse a donné effectivement à nos pères, c'était le pain qui est même descendu du ciel. Il avait demandé le pain, et Dieu leur a donné le pain. Et toi, tu viens nous dire que. Et puis, écoute bien, il dit, mais en vérité, je vous ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Amen. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, mais Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Amen. Vous attendez le pain. Vous attendez vraiment le pain, effectivement, comme Moïse leur avait donné du pain. Alors, père, effectivement, dans les déserts, vous vous souvenez, non? Donc, il dit, mais donne-nous toujours de ce pain.
Vous vous souvenez, frères et sœurs, quand le Seigneur a parlé avec la femme au puits? Vous vous souvenez encore? Parce que souvent, nous nous trouvons dans une dimension de pensée. Quand le Seigneur parle, effectivement, lui, dans une autre dimension, effectivement. Il faut que la grâce nous soit donnée pour qu'on arrive à ce niveau-là, pour comprendre. C'est pourquoi, quand on parle, votre attention, s'il vous plaît, c'est pour que vous puissiez prêter attention à la parole de Dieu, pour que vous ne sortiez pas ici avec votre propre compréhension, mais que vous sortiez avec la pensée que Dieu voulait que vous puissiez avoir. Amen. Amen. Vous ne changez pas, ma soeur, vous ne changez pas, mon frère, parce que vous sortez toujours avec ce que vous vouliez entendre. Il nous ennuie, moi je sais. Mais en fait, si tu savais, tu serais encore beaucoup plus spirituel. Amen. Ah oui, c'est sûr et certain. Et étant spirituel, tu te réjouirais de toute parole qui vient. Amen. Parce que tu sais que c'est la parole de Dieu. Amen. Tu ne t'ennuierais pas. Tu dirais encore, Seigneur, nous en voulons encore. Amen. Si on prend encore temps pour des réunions encore davantage, tu ne t'ennuierais pas, tu ne regardais pas tout le temps ta montre, effectivement. Et on arrive, effectivement. Non, c'est que vous entendez, frère, c'est la vérité, frère. Amen. Un véritable fils de Dieu, dans une réunion qu'elle vous a parlé, il oublie le temps. Amen. Il oublie le temps. C'est sûr et certain. Donc, continuez, regardez. Alors, il dit, verset 35, quand ils ont dit, mais Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Comme la femme au pain, quand il dit, mais l'ox de nos raisins, elle avait dit, mais donne-moi toujours de cette eau. Donne-moi cette eau. Vous vous souvenez, non? Amen. Parce que c'était de l'eau qu'on allait puiser, lui donner pour qu'elle boive. Vous vous souvenez encore? Jean 4, je pense cela, pardon. Et ici aussi, je dis, mais, oh, mais donne-nous ce pain, effectivement, hein, qui donne la vie, effectivement, donne-nous ce pain. Et puis Jésus leur a dit, mais, je suis le pain de vie. Amen. C'est lui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Mais je vous l'ai dit. J'aime cet homme, les gars. Il dit, mais je vous l'ai dit, écoutez très bien. Il dit, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient autre chose. Ça veut dire effectivement que fait comme Moïse, effectivement, dans le pain qu'il s'agit de la faire, donne-nous encore, on va recevoir le même pain. Il dit, non, maintenant ici, il faut que vous compreniez la chose. Je suis le pain de vie. C'est lui qui me reçoit effectivement, qui croit vivement, n'aura jamais soif. Verset 37, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi quand je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Pour la volonté du Père qui m'a envoyé, ce que je ne perds rien de ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, ce que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet. Parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Vous suivez, frère et sœur? Vous connaissez, est-ce que vous suivez? Amen. Donc, quand il a parlé, effectivement, il a dit, donne-nous ce pain, nous voulons manger ce pain. Ils ont demandé, non? Il dit, mais voici, je suis le pain du ciel. Et puis, il a continué à pouvoir prêcher. Il n'était pas là, hein? Ils étaient là assis, effectivement, leur pensée dit, mais cet homme, il est en train de nous prendre le temps, il nous a mis, effectivement. Alors, examinez-vous, frères et sœurs. Donc, ces Juifs étaient là. Le Seigneur a prêché l'évangile. Après qu'il ait parlé, je ne suis pas de vie. Ça veut dire quoi? Que leur pensée était tournée. Il dit, mais nous, on n'entendait pas ça. Nous, on n'entendait pas ça. Donc, tout ce que le Seigneur disait après, il s'est constaté pas concerné. Là, c'est allait très bien. Prêtez attention quand vous êtes assis, en fait. Allez très bien, frère. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il te dit ici? Ici, on le sait ce qu'il va dire. Voilà. Il dit, mais, je redis verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ou la volonté du Père qui m'a envoyé, ce que je ne perds rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, ce que quiconque voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc c'est appelé, oh, donc c'est ça que Dieu veut, qu'on puisse te voir et croire en toi. Mais tout ce qu'il disait là, frère, ça rentrait ici, il s'occupait même plus du moi, je m'attendais à autre chose. Tu parles effectivement. Regardez l'état d'esprit, frère. Le verset suivant, il dit,
les Juifs murmuraient à son sujet. Vous savez là où ils sont arrêtés? Parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Il dit, mais non, on n'attendait pas ça. Nous, on attendait que Moïse, la manne descende, que tu nous donnes la manne aussi comme c'est descendu. Alors nous croirons. Et puis il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, n'est-ce pas? Celui dont nous connaissons les pères et la mère, comment donc dit-il, je suis descendu du ciel. Vous voyez, frère, la dimension dans laquelle il se trouvait par rapport à celui qui parlait. Alors là, ça devenait un problème pour eux. Écoutez bien, il continue. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Vous pouvez être assis là, entendre aussi la même chose. Les murmures, les troubles, qu'est-ce qu'il raconte, C'est normal. C'est normal. Vous ne pouvez pas être intéressé par la parole de Dieu si la parole de Dieu n'est pas en vous. Amen. C'est sûr et certain. Vous voyez, frère, vous pouvez vous asseoir avec quelqu'un. Quand vous avez à parler du mal de quelqu'un, vous prenez même pendant une heure, vous vous asseoir sans problème. Vous êtes dans notre assemblée, ils ont dit pour raconter ce qu'on a fait là. Par les frères. Je n'ai pas, tel frère a fait. Autrement, ils sont, et vous avez, comme j'ai entendu, et vous avez, et ils ont rien pour vous dire, et pour ceci, et pour cela. Pendant une heure, tu peux parler sans problème. Vous ne pouvez pas t'interrompre. Mais quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu. Si le Seigneur veut que tu puisses arriver à pouvoir faire, alors ça devient un problème. Il dit, ne murmurez pas. Je sais qui vous êtes. Ça, je le sais. Je sais qui vous êtes. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé l'attire. En fait, pendant qu'il parlait là, il y avait des Juifs et aussi des disciples au milieu. Et puis il continue. Et puis il dit, non, je ne vais pas lire là. Puis il dit, vous connaissez le Dieu, il dit, mais c'est lui qui ne mange ma chair, ni ne prend mon sang, prend la vie en lui-même. Alors là, ça troublait beaucoup. Oui. Ça créait un problème, même au milieu des disciples qui étaient là. En fait, ils savaient ce qu'ils faisaient. Le trouble est entré. Il dit, comment est-ce possible qu'il peut maintenant demander aussi à nous de manger sa chair et boire son sang? La Bible dit, depuis ce jour-là, les disciples se séparaient de lui. Il n'allait plus avec lui. Ils l'ont abandonné. Il a dit, mais vous autres, pourquoi vous aussi venez, vous en allez point? Donc ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement vous dire, mais on va aller comme ça. Non, le Seigneur n'a jamais demandé que vous soyez de robots. Il faut que chacun de vous soit convaincu. Amen. C'est pourquoi que Dieu bénisse mon précieux frère. Il vous a dit quelque chose tantôt, mais il dit, mais la Bible dit même de ne même pas les saluer. Amen. 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 Vous avez entendu, donc? Oui. C'est écrit. Oui. En fait, quand quelqu'un vient chez vous, écoutez très bien, frère, quand quelqu'un vient chez vous à la maison, que ce soit un soi-disant sœur de l'assemblée ou soi-disant frère de l'assemblée, et qui ne vient chez vous que pour parler du mal de celui-ci ou du mal de celui-là, critiquer, parler, vous savez, c'est dit ça, ce frère-là fait, et là, là, et vous avez avec la soeur terre, quand vous entendez simplement, il commence comme cela. Vous le reprenez? Si vous remarquez qu'il ne veut pas s'entrer là-dedans, vous vous levez simplement de votre place. Vous ouvrez la porte. Amen. Même s'il vient ici. Amen. Et c'est ta soeur, mais c'est ma soeur. Il me ouvre la porte et dit, mais ma soeur, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Alléluia. Dans cette maison, j'ai des enfants. Amen. Je veux que Dieu soit béni. Amen. Parce que mes enfants veulent être protégés. Amen. Tu m'as amené la malédiction, tu sors avec ta malédiction. Amen. Ce que je veux ici, c'est que la paix du Seigneur soit sur moi. Amen. Frères et sœurs, le temps n'est plus. Amen. Il ne s'agit pas d'avoir des camarades. Amen. Même si on ne veut plus venir vous visiter, à cause de cela, prenez position. Amen. Pour la parole de Dieu. Amen. Mais ne tombez pas non plus du bon, je ne veux plus recevoir les gens à la maison. Ça aussi, ce n'est pas de Dieu. Amen. Mais c'est quand la personne vient tout le temps. C'est plaignant, et c'est quand on t'ajoute contre les accords, mais toujours, et tel a fait, tel a dit, tel m'a fait, tel ceci, vous avez tel frère, parce qu'ils ne viennent pas, il ne faut pas ceci, quand vous entendez cela,
ouvrez la porte. Amen. Et puis au revoir. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. C'est nécessaire, frères et sœurs, parce que nous devons savoir où est-ce que nous en sommes avec le Seigneur. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? Pourquoi vous aussi, vous ne partez pas avec les autres? Partez si vous le voulez. J'ai toujours aimé le Seigneur, vous savez, parce que c'est notre Sauveur, il n'a jamais supplié personne de rester avec lui. Amen. Nous n'avons pas à faire une association de frères et de sœurs pour se retrouver simplement parce que nous voulons avoir des bars remplis. Frère, nous ne cherchons pas à ce que les bars remplis soient remplis de n'importe quoi. Nous cherchons à ce que les âmes viennent écouter la parole de Dieu et qu'ils soient changés, transformés pour marcher avec le Seigneur. Et c'est cela ce que nous implorons la grâce du Seigneur pour qu'il touche le cœur, en fait, que le cœur vienne. Mais jamais on suppliera un frère ou une sœur de pouvoir venir à l'Assemblée ou de rester à l'Assemblée. Non, celui qui veut partir, il peut partir. Et il lui répondit, mais à qui que nous d'autre qu'à toi? Ça c'est bien. Car c'est de toi que vient le paroi de la vie éternelle. C'est le même Pierre qui a reçu la révélation de celui qui était donc là, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a pris position pour cela. Donc, quand on lit l'Écriture, il a dit, Jean-Charles, je vais terminer. Il dit, les versets suivants, quand il dit, verset 32, voici leur viande, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde. Je voudrais que vous prêtiez attention. Je veux que vous prêtiez attention à ça. Il a dit une parole effectivement aux disciples en disant que bon, vous serez dispersés. Frappe les bergers, les brebis se disperseront. C'est l'Écriture. Vous devez s'accomplir pour lui. Il dit, il se tourne vers eux. S'il vous plaît, frères et sœurs, je veux que vous prêtiez attention à ceci. Vous remarquez d'abord très bien avec qui le Seigneur s'est trouvé. D'abord, ils ont eu à pouvoir passer par cette épreuve, effectivement, et pouvaient, la parole était tellement si dure, hein. Si vous ne mangez ma chaise, il fallait secouer tout le monde. Parce que là, il s'est tenu debout, il dit, mais je suis le pain de vie. Les disciples le regardaient, non? Il dit, mais celui qui ne mange ma chair, c'est ce monde. Celui qui ne boit mon sang, on s'est interdit de boire le sang. C'est vrai, non? La Bible l'a dit, non? Mais celui qui ne boit mon sang, n'aura jamais la vie. Alors, ça devait être quelque chose qui devait secouer tellement si fort. Il dit, non, c'est pas possible. D'abord, il devient, il s'est fait, je ne sais pas moi quoi, et puis on doit abandonner cet homme. Il a observé cela. Puis la chose s'est passée. C'est quoi là, ouais? Mais il y en avait un qui résistait encore. Vous vous souvenez? Il est sans moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous. Est un démon. Il est vraiment extraordinaire, ce sauveur. Il dit, mais l'un de vous est un démon. Vous savez, quand il parlait comme ça, la parole, quand elle sortait, en fait, Judas qui était là, quelque chose sur ce, quand il parlait, l'un de des mots, ça travaillait dans son intérieur. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, quand la parole sort, ça travaille. Tu vois, la grâce que Dieu accorde par rapport à Judas, à toi, mon frère, à toi, ma soeur, ce matin, ce qu'il te parle te donne l'occasion de voir te répandre. Amen. Si tu t'en dis aussi, tu n'auras plus l'occasion. Amen. Judas, lui, on parlait, ça venait, il ne pouvait pas se répandre. Hein. Mais toi, tu es assis, tu es assise. La parole de Dieu vient te montrer effectivement que Dieu connaît ce que tu es. Tu n'es pas droit. Au lieu de te regarder toi, tu regardes ta voisine et ton voisin.
c'est pas à la voisine ou au voisin que Dieu parle. C'est à toi. Amen. Mais en fait, tu sais quand même au-dedans de toi que tu as un problème. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un jour, je crois que j'en avais parlé ça ici. Mon frère Gong était là, je pense. À ce moment-là, vous étiez avec les autres frères ici. Je crois que j'avais une alternative. J'étais dans mon bureau. Je crois que c'était ce jour-là avant. Je disais, vous savez, la chose que vous ne savez pas, c'est que je peux être là et que vous êtes là. Dieu me révèle ce que vous êtes. Amen. Quand vous n'êtes pas droit avec Dieu, et quand quelque chose ne va pas, je le sais, je regarde, mais je ne dis rien. J'étais dans mon bureau ce jour-là, je crois que j'étais avec le frère Jean à l'époque, mon frère Maud était là aussi, je pense, avec des autres frères, effectivement. Et puis, il y a une sœur dont on m'a dit qu'elle voulait qu'on prie pour elle. Tu te souviens, mon bien-aimé? Alors, Dieu voulait confirmer que ce que je disais était vrai. Nous sommes rentrés ici, la sœur était assise, elle a pu venir se mettre à genoux. Puis, je me suis approché, quand je m'approche, je me tiens toujours là. Mon frère Maud s'approche, d'autres frères se sont approchés aussi. Et je me suis tenu ici. Alors j'ai dit, bon, la sœur a un problème, puis on va prier. Et voilà que, j'étais là, hein, tout le monde, Seigneur, prie, nous devons prier, mais que la sœur soit délivrée, blablabla. Pendant que tout le monde priait, j'ai dit, stop, c'est vrai ou pas? J'ai dit, stop, frère, ne priez plus. C'est vrai, frère, tu te souviens? Il dit, stop, frère, ne priez plus. J'étais nombreux, ils sont devant prier. J'ai dit, j'avais bien la tête comme ça. Et le Seigneur me disait, regarde ce qu'il a, effectivement, il y a un problème là. J'ai dit, stop, frère. Ne priez plus. C'était quelque chose de choquant. J'ai dit, mais c'est pas possible, frère, nous prions. J'ai dit, non, on ne peut pas parler comme ça. J'ai dit, sans stopper. J'ai dit, ma soeur, ça ne sert à rien qu'on prie pour toi. Parce que tu as un problème que tu as fait, que tu n'as pas rangé, qui est contraire, et que tu sais dans ton cœur que Dieu t'a condamné, que tu es condamné pour cela, que tu dois mettre en œuvre cela. C'est vrai ou pas? Elle a avoué. Il dit, mon frère, c'est la vérité. C'est la vérité, j'ai dit, mais on pouvait prier pour toi, ça ne servait absolument à rien. J'ai dit, va maintenant, mets en ordre ce problème-là, et puis tu reviens, on priera pour toi. Il est témoin. Vous savez, quand Dieu te pointe du doigt, c'est une grâce. Amen. Tu montres effectivement que toi, tu n'es pas droit. C'est la vérité, frères et sœurs. Vous pouvez monter. Vous savez, c'est quelque chose. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est quelque chose. Vous êtes là, ça vient sur vous. Vous ne pouvez pas le voir. Avez-vous comme ça, vous voyez que c'est toujours la même personne. Mais quelque chose révèle la personne. Et quand je vous regarde, c'est tout à fait différent. Je sais que quand vous parlez, les battements de votre cœur n'est pas trop. C'est la vérité. Je peux même parfois, même simplement, vous savez, c'est extraordinaire, il y a des choses que je ne peux pas dire. Et simplement, pour que vous sachiez que quand le Seigneur parlait à Judas, quand il parlait effectivement comme ça, Judas sentait que ça me pointait. Jusqu'à quand, effectivement, vas-tu rester dans cet état, effectivement, de résistance? Parce qu'aussi longtemps qu'il parle encore comme ça, voyez-vous? Vous avez remarqué une chose, je ne sais pas si vous l'avez fait, faites attention. Votre attention toujours, regardez. Il dit, l'un de vous est un démon. Mais vous n'avez pas réalisé une chose, frère. Aussi longtemps que Judas marchait avec le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur prêchait la parole, et cet homme-là, dans cette position dans laquelle il était, effectivement, il avait aussi la possibilité de pouvoir aussi s'accrocher. Hein. Pourquoi? Parce que Satan n'était pas encore entré. Vous vous souvenez? C'est quand lui a donné le morceau trempé. Parce que Satan rôdait autour de nous. Il rôdait. Il dit, ça c'est mon vase. C'est pour ça que quand ceux de l'Esprit savent que vous êtes avec eux. Alors c'est quand le morceau était donné, ah, c'est terminé. Satan est entré. La condition devient pire. C'est pourquoi il te parle une fois. Il te parle deux fois. Faites attention ce matin. Il te parle trois fois. Il sait ce qu'il dit. Il va arriver un moment où ce sera plus possible. Pourquoi? Parce que Satan aura déjà pris sa place. Les racines vont s'en sortir dedans. Tu pourras t'asseoir maintenant. Tu pourras beau crier. Je suis un fils, je suis une fille de Dieu. Tu ne feras plus de progrès. Alors regardez très bien à qui il parlait. Il dit,
Écoutez très bien. Donc, il fallait d'abord que celui-là s'en aille, et puis se tourne maintenant et dit, mais vous serez, vous me laisserez seul, effectivement, mais ne craignez point. Et puis il leur dit, à qui? Mais il dit à ses disciples-là, frères, qui sont restés persévérants, accrochés à lui jusqu'au bout. Il se donne la parole de Dieu, effectivement, de tout leur cœur. Il dit, vous aurez des tribulations. Vous, vous aurez des tribulations. Mais ne craignez point. Prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Mon frère et ma soeur, à ceux-là qui sont ses disciples véritables, qui sont vraiment accrochés à lui, qui l'aiment de tout leur cœur, malgré ce qu'on peut dire d'eux d'une manière ou d'autre, effectivement, à cause de la parole qu'ils ont prise, il dit, vous aurez des tribulations, certainement vous serez haïs à cause de moi. Ça, c'est ce qu'il dit, mais ne craignez point. Amen. Prenez courage, car je vaincu le monde. Ça veut dire que le disciple réellement du Seigneur, qui l'aime tellement, qui est tellement accroché à lui, ce disciple-là, il a la victoire. Amen. Vraiment. Les épreuves vont venir. Amen. Tes troubles ne feront secours à gauche et à droite. Mais à cause de l'amour. Amen. Vous l'avez entendu, non? Amen. Je ne priais pas le Père, je l'ai dit, mais parce que vous, parce que le Père vous aime. Amen. Pourquoi il vous aime? Jean chapitre 15, vous souvenez? Jean chapitre 15. Vous souvenez encore la pensée qu'il a dit ici, hein? Jean chapitre 16, hein? Vous souvenez, non? Il dit, verset 26, il dit, en ces jours-là, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. Amen. Jean chapitre 15, ici, il dit, je suis le cèpe, le vrai cèpe, et mon Père est le vigneron, vous connaissez cela, n'est-ce pas vrai? Alors ici, il dit, verset 5, il dit, je suis le cèpe, et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, et à qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les sarments, ils sèchent, puis on ramasse des sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Amen. Demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que je garde les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Amen. Demeurons en lui, demeure en nous, sa parole demeure en nous. Et le Père nous aime comme il a aimé les fils. Amen. Amen. Le fils est resté fidèle au Père, qui a la parole effectivement, les sont fidèlement selon ce qui est écrit, effectivement, comme notre frère l'a dit. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Il demeure fidèle à sa parole. Ça veut dire que toi, en tant que disciple, tu connais ton maître. Tu sais celui qui te conduit. Tu sais celui pour qui tu vis. Tu connais ce qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a dit, c'est ce qui est important pour toi. Pas ce que l'homme peut dire, mais c'est ce qui est important pour toi. Alors pour toi, il a dit, ne crains point. Amen. Tu auras les tribulations. Mais j'ai vaincu le monde. Amen. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul veut dire, mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Parce que notre maître a vaincu pour nous. Amen. C'est-à-dire que s'il a vaincu, c'est que nous aurons toujours la victoire. Amen. Je veux que vous prêtiez attention. Regardez très bien ceci, frère. Apocalypse. Apocalypse, 11 au chapitre 1. Même chapitre 2, il est très bien. Lisons au verset 7. Apocalypse, chapitre 2, verset 7, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est toujours à celui qui vaincra. Donc il faut vaincre. Amen. Ah, il faut vaincre.
Il dit, vous aurez des tribulations, mais ne craignez point. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. N'est-ce pas vrai? Dans 1 Jean 5, vous souvenez encore, n'est-ce pas? Vous souvenez encore ça, non? Qui est celui qui a vaincu? Vous connaissez, non? Maintenant, je veux que vous puissiez comprendre cela, mon frère et ma soeur. Ce que la victoire que nous avons, cette victoire-là que nous avons de pouvoir garder vaincu, effectivement, ce n'est pas que nous avons vaincu, mais c'est parce que lui, il a vaincu. Amen. Vous souvenez, les frères? Colossiens, regardez. Je veux que, juste un tout petit peu de temps, je vais vous prendre un tout petit peu. Regardez ceci. Parce que lui, il a vaincu. Amen. Alors nous, alléluia, la victoire nous est assurée. Amen. La victoire nous est garantie. Amen. Regardez ceci. Colossiens, ici, il nous dit une chose. Je pense que c'est cela. La livre des Colossiens, au chapitre 2, verset 8 et 6. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il dit, mais vous avez tout pleinement en lui. Ses disciples, hein? Vous avez tout pleinement en lui. Il dit, lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et alors qu'il était enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi, par la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Avant de continuer, regardez très bien, frère. Je veux que vous puissiez comprendre quand on parle de cette résurrection, frère. C'est important, frère. Vous savez où s'est trouvée l'épouse en réalité? L'épouse était toujours en Christ. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Il a payé pour son épouse. Ses jours à la croix de Golgotha, il a été blessé. Vous vous souvenez? L'eau et le sang sont sortis. De la même manière qu'effectivement que Dieu prise la côte effectivement d'Adam. Vous souvenez? Pour former son épouse. Ce que notre Seigneur a vaincu toute chose pour que toi et moi, nous puissions avoir la victoire totale dans tout. Amen. Vous suivez? Il dit bien, à celui qui dans chaque âge, hein, il dit à celui qui vaincra. Vous allez voir, regardez bien. Le contenu ici, il est très bien. Il dit. Verset 13, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en le faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est-à-dire que nous sommes maintenant plus blancs que neige. Amen. Alléluia. Chaque fois, ça va venir. Il a fait. L'accepté de nos frères. C'est vrai, non? Quand Dieu tournait le regard, il voyait le sang. Amen. Et quand il te voit, c'est au travers de ses sangs. Blanc comme neige. C'est important, frère, que nous comprenions que ce n'est pas de l'histoire. Mais ce sacrifice à la croix de Golgotha est une réalité qui a une importance profonde et continuelle tout au long de notre vie sur la terre. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Nous continuons la lecture. Il dit, verset 14, il a effacé l'acte de grâce de nos condamnés et qui subsistait contre nous. Écoutez bien, et il l'a détruit. Amen. Il l'a détruit. Amen. Donc, on ne va plus se rappeler. Non. Il l'a détruit. En le clouant à la croix. Amen. Vous suivez? Amen. Écoutez maintenant. Il a dépouillé les dominations. Amen. Et les autorités. Alléluia. Et les a livrées publiquement en spectacle. Amen. En triomphant d'elles pour la croix. Amen. Donc il a triomphé. Alléluia. De toutes les principautés. Amen. De toutes les démons les puissants. Frère de tout, de tout. Il a vaincu. Amen. Il est écrit de moi, j'ai vaincu le monde. Amen. Avec tout ce qu'il a fait. Amen. 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 Qu'est-ce que cela veut dire?
que si je suis son disciple, c'est pour moi. Amen. Sans victoire, c'est moi. Amen. Si la mort pouvait le retenir là-dedans, c'est que la mort retenait aussi. Vraiment. Et puis, s'il a vaincu la mort, c'est ma victoire. Alléluia. Oui. Je pourrais dire au mort où est ton libre. Amen. Au mort où est ta prison. Il a vaincu pour que moi je puisse garder la victoire. Et que je puisse demeurer continuellement dans les choses. Et que je puisse arriver jusqu'au bout. Frère, regardez une chose. Nous avons entendu. À celui qui vaincra, n'est-ce pas? Que celui qui a des oreilles entende, c'est que l'Esprit du Tout-Seigneur. Ah, c'est lui qui vaincra. Je vais lire une écriture, et puis nous allons les prier ensemble. Je vais vous laisser partir. Apocalypse. Chapitre 13. Verset 1 et 10. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ce corne 10 diadèmes, et sur cette tête des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon donnant sa puissance, son trône et une grande autorité, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Vous suivez? Écoutez bien, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, vous suivez, qui est donc semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Vous vous souvenez comment les spectateurs étaient tellement si puissants quand Daniel l'a vu en fait terrifiant, n'est-ce pas? La bête comment était tellement d'une... Elle brisait tout sur la terre. Troisième, mais qui est semblable? Mais qui peut combattre contre la bête? Vous vous souvenez encore? Donc, quand il a crié qui peut combattre, donc il n'y a personne qui pouvait combattre ni vaincre la bête. Vous avez vu dans Daniel chapitre 7, non? Les spectacles étaient tellement terrifiants. La bête broyait tout, détruisait tout, effectivement. Il avait des dents de fer, des citous. Vous comprenez, non? Donc, terrifiant, et là, c'était que j'étais. Et là, maintenant, on nous montre effectivement combien il était tellement toutes ces puissances, tellement dans une seule bête, maintenant, tout rassemblé, il dit, mais quelle puissance et qui peut combattre? Et qui peut arriver à pouvoir vaincre? Chapitre 13, toujours, nous tournons la page. Verset 11 dit, oui, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre, « Faire quoi ?» Il y masse à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Vous suivez? Amen. Afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. D'abord, regardez-vous d'abord effectivement comment est la bête. Avec sa puissance qui broyait tout sur la terre, vous savez, non? En faisant tout. Alors maintenant, on a fait son image, effectivement. Il parle maintenant. Alors maintenant, il y a d'autres qui viennent dire, il faut que tous les habitants de la terre puissent l'adorer, n'est-ce pas? Écoutez bien. Et tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, non, verset 15, plus bas, dit, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. La marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc, il y a la marque de la bête, il y a l'image de la bête, effectivement, il y a son nombre, effectivement, ainsi comme l'Écriture dit, effectivement. Donc, tous, avec la puissance que la bête dégage, qui peut vaincre la bête?
qui peut arriver à pouvoir vaincre la bête. Je veux que vous prêtiez attention, frères et sœurs. J'ai dit que je lis ça, que vous priez ensemble et vous rentrerez chez moi à la maison. Qui peut donc combattre la bête? Vous connaissez la bête, nous allons parler ici, non? Sinon, vous avez les prédications, vous parlez ici. Qui peut donc arriver à pouvoir combattre cela avec tous ces systèmes, tout ce qui est effectivement aussi structuré avec autant de puissance, effectivement, et tout, tout, parce que ça broie tout. Hein? Qui peut combattre cela? Vous avez entendu l'image de la bête, son nom, le nombre, effectivement, ainsi de suite. Donc tout ça fait que tous les hommes puissent arriver à pouvoir s'impliquer dedans, tous les hommes. S'impliquer dedans aussi. Qui peut être la bête? Chapitre 15 d'Apocalypse. Verset 1. Oui, je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Cet ange qui tenait sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu quoi? Ceux qui avaient vaincu quoi? Ça veut dire qu'il y a un peuple qui peut vaincre. Amen. Qui peut combattre? Il y a un peuple qui peut vaincre. Amen. Je vaincu le monde. Je vaincu le monde. Frères et sœurs, ne dites pas des enfants qui peuvent facilement dire, on peut faire, ça ne va pas marcher, parce que oh, c'est tellement Dieu, ça ne pourra pas aller. Frère, Dieu t'a donné la victoire. Amen. Même si la bête a une telle puissance, mais ce que toi tu as comme puissance. Amen. 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 La puissance de Dieu. Amen. Qui peut combattre la bête? Personne ne pouvait le combattre. N'est-ce pas vrai? Nous avons un maître. Amen. Amen. Parlant de qui, frère, n'oubliez pas cela à ses disciples. Un disciple, c'est un élu. Amen. Tout disciple accomplit cela comme? C'est pourquoi nous sommes appelés à être comme Christ. Amen. Les gens doivent vous regarder, quand ils vous regardent, ils voient Christ, notre Amen. Seigneur. Amen. Oui, vous ne pouvez pas ressembler à un prophète ou à un prédicateur. C'est à Christ que nous sommes censés pouvoir ressembler. Mais regardez d'abord, je n'ai pas fini de lire. Regardez très bien. Il dit, il a vu. En fait, s'il l'a vu, c'est déjà accompli. Non? Amen. Donc, tout ce qui peut se passer sur la terre. Amen. Seulement, tu dois te dire où j'en suis moi. Amen. La relation, parce que sinon, tu échoueras. Amen. Tu vas embrasser les pieds des. Je ne sais pas tout ce qu'on peut passer, effectivement. Tu fais, parce que si Dieu n'est pas réellement ton objectif principal, parce qu'il faut connaître un objectif que tu pries, Amen. Être sûr et certain qu'avec lui, je suis sûr dans la bonne voie. Amen. Quand tu es hésitant, tu ne réussiras pas. Mais très bien, nous continuons d'y aller. Il dit, je vis comme une mer de verre mêlée du feu, et ceux qui avaient vaincu, m'ont dit quoi? La bête et son image et sa marque et le nombre de son nom. C'était pas pour être cité ici, vrai. Donc, il faut que toi et moi, nous puissions être sûrs réellement que toutes ces choses-là, c'était pas de l'histoire. La bête, l'image de la bête, la marque de la bête et son nom, tu dois savoir où tu en es. Tu dois savoir. Frères et sœurs, nous vivons dans un moment tout à fait particulier. Je termine par là. Je vous l'ai dit. Dans un moment particulier, je ne sais pas si vous avez ouvert les yeux et les oreilles. Ces derniers temps, vous n'avez rien entendu. Vous n'avez rien entendu ces derniers temps? Je vais vous l'informer. Je vais vous l'informer. Alors, on a pris une décision. Parce que c'était d'abord commencé par l'oncle Sam, donc aux États-Unis. Avec les événements qui se passent maintenant chez nous ici en Europe, avec les ministres qui ont des petits détents, eh bien, la décision est que tous vos comptes bancaires, oui, tous vos comptes bancaires, vous le savez, de chaque individu européen, donc ici en Europe, hein, tout le compte bancaire des individus doit d'abord être signalé au point d'abord central, on vérifie qu'est-ce que vous avez, d'où vient l'argent. Comment l'argent sort? Que faites-vous avec l'argent? Ah, ah.
personne ne pourra ni acheter ni vendre. Alléluia, c'est vrai. S'il vous plaît, frère, ouvrez les yeux. Vous voyez où les choses sont en train de pouvoir aller. Bien sûr, effectivement. Vous pensez que tout ce qui se passe là-bas, effectivement, avec on a trouvé, on parle des paradis fiscaux. On contrôle partout, effectivement, tel effectivement. On commence, les gens commencent à voir, ah, oh, moi je n'ai pas, c'est justifié. Non, c'est tout à fait normal. Ces choses doivent arriver à pouvoir prendre place. Bien sûr, on doit avoir le contrôle sur toute chose. Parce que, vous savez comme on dit ici, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est la chose qui vous tient tous. C'est vrai ou pas? Si on vous coupe l'argent aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Vous perdez le contrôle, non? On court de bureau en bureau en bureau en bureau. Il faut. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas vivre sans argent. Moi, je sais vivre sans argent. Amen. Vous voyez, frère, ne doutez jamais de ça. Amen. Ne méprisez jamais ceci. Amen. Parce que quand le jour devient difficile, vous penserez à ça. Amen. Ils vont prendre tout. Ils vont rester à ça. Amen. Si l'entend de Dieu ça, amen. Fais la victoire. Amen. C'est la vérité. Allez, fais de moi ton compte en banque. Les corbeaux, ils ne vont pas les attraper. Amen. Dieu utilisera les corbeaux. Amen. Merci. Amen. Frères et sœurs, ne faites jamais de compromis à l'être. Amen. Vous avez la victoire. Amen. Il dit, vous aurez des tribulations. La pression viendra. Mais ne mange jamais ton âme. Amen. Reste avec la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur, pour qui tu as pris position, amen, il agira pour toi. Amen. Vous savez, si Dieu t'a donné une maison, que tu as prié, Seigneur, je n'ai pas d'endroit, puis avec le peu de moyens que tu as, puis te donner une maison où tu dois payer, personne ne va te la répondre. Amen. Personne amen ne va te la répondre. Amen. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Si ce n'est pas lui, c'est autre chose. Amen. Mais quand c'est lui, il sait que tes enfants vont habiter dedans, amen, il le garde. Amen. Amen. Quand ça va chauffer, il pourvoira. Amen. Les moyens, il donnera. Amen. Vous aurez des tribulations. Amen. Les facteurs viendront. Mm-hmm. Mais ne perds pas l'équilibre. Amen. Ah, je m'en vais, Seigneur, je suis vieille, c'est plus moi qu'on va me marier. Ne t'inquiète pas. Amen. J'ai toujours eu à pouvoir en parler ici. Sœur, ne regarde pas ton âge. Amen. Oh, mais on dit ça. J'ai dit, n'écoutez pas ce que les gens disent, écoutez amen la parole. Amen. Amen. Et puis, ne soyez pas, je surveille les temps, ne soyez pas, comme beaucoup ont perdu le nom maintenant, Facebook, on va se présenter Facebook. On met la poudre à Facebook. Regardez-moi comment je suis. Qui ça, oh, sœur, Christian, et pas nous. Oh, sœur, Joséphine, je ne sais pas, je suis ici. Oh, sœur, je l'ai pris où? Dans la salle de la main. On a trouvé quoi? Dans son Facebook, quoi? Il fallait voir la sœur, comment elle était là-bas. Alors là, si vous la regardez, vous direz, mais est-ce que c'est ma sœur? C'est pas possible. Ah, tu vois là-bas, avec un frère, ils ont des termes maintenant de nous trouver dans le Facebook. J'ai dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas te vendre ça. Amen. Tu as plus de valeur que de défense sur la terre. Une fille de Dieu est une reine. Amen. Vous n'avez pas besoin de. Non. Dieu vous embellit. C'est tout joli, mais c'est vrai. Mais c'est la vérité. Hein. Mais Dieu sait que vous devez être belle pour que il vous a donné la beauté que vous avez. Il est la vôtre et on apprécie cela. Les femmes qui sont extérieures là, que vous voyez, c'est comme là, vous voyez là, avec du doigt poncé là, avec les ceci. Oh, ils vous mettent des ceintures en dessous, ils coincent. Oui, je ne vais pas trop long. Vous voyez, c'est du drôle. À force de ne pas vouloir manger, ils sont venus comme ça. Les démons sont entrés dans l'orexie. Oui. À son verre, c'est comme ça. N'essayez pas ces choses. Les démons, ils tournent autour. Hein. Il dit, ah, tu me veux. Pas de problème. Il est rentré. La femme a fait un test. Elle a dit, mais je ne sais plus bien manger. Pourquoi? Je maigris toujours. Quand maintenant, les goûts d'amiens disent, je vais essayer, ça ne marche pas. C'est les démons. C'est la même chose. C'est normal. Les démons dans l'orexie, il est rentré. Et puis il dit, j'ai perdu ma vie pendant longtemps. J'ai maigri, je suis plus joli, c'est normal. Oui, c'est vrai.
manger. Amen. Dieu m'a dit en buffet. J'ai dit manger. Amen. Alléluia. Amen. Bon. Monsieur Sauveur, nous voulons te dire encore merci ce matin pour la grâce que tu as donnée nous accorder. Et nous te dire encore de ta présence pour moi. Nous te remercions parce que tu as vaincu pour nous, nos bénémoines personnes. Bon, nous savons que pour nos frères et pour nos soeurs, pour nous-mêmes, bénémoines personnes, la victoire nous a été acquise, mon bénémoine personne. Oh Dieu, pour que nous puissions réellement persévérer davantage pour eux. Oh Dieu, nous voulons persévérer parce que tu as été fait pour nous, mon bénémoine personne. Oh, accorde-nous encore cette grâce, mon bénémoine père. Oh Dieu, comme cette femme, c'est devenu un peu de venir vers toi. Il y avait quelque chose qui avait préparé déjà pour mes bénémoines personnes. Elle a persévéré, mon bénévole agissant. Elle a pu obtenir cela, mon bénévole Seigneur. Tu as vécu pour nous, Père. Tu as souffert pour que nous puissions le mariner avec toi, mon bénévole personne. La victoire nous l'a donné, mon bénévole personne. Nous voulons demeurer dans ta mort à toi, mon bénévole Père. Nous avons effectué, mon bénévole Seigneur. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi aussi de ma soeur. Et toi, ton peuple, mon bénévole Père, c'est qui fait du travail. Donne le travail, mon bénévole Père. Travaille avec nous, mon bénévole Père. Travaille, c'est tout le Père. Ce n'est rien d'impossible à toi, mon bénévole Père. Importe la méchanceté de ton cœur, mon bénévole Père. Nous croyons vraiment en toi, mon bénévole Seigneur. Oh Dieu, nos yeux sont fixés sur toi, Père. Fortifie nos frères, fortifie encore nos soeurs, nos pays, pour les défendre, Père Seigneur. Tu es vraiment notre secours, notre soutien, notre puissant rédempteur pour toi. Oh, Père, mon Père, nous tenons davantage, mon bénévole Père Seigneur. Nous comptons sur ta bonté encore aujourd'hui, Père Seigneur. Nous comptons sur ta grâce, mon bénévole Père. Nous comptons sur ton secours, mon bénévole Père Seigneur. Pour que nous puissions continuer la marche encore aujourd'hui, Père. Oh, les états jours de grâce, mon bénévole Père. Nous voulons persévérer, mon bénévole Seigneur, et obtenir réellement de répondre la grâce de la chair avec toi. Bénis mon frère, bénis aussi ma chair, mon bénévole Père Tout-Puissant, et éclaire-nous le bon aujourd'hui, Seigneur. Merci à toi d'avoir dit. Merci encore pour ton amour, bénévole Père Seigneur, que le découragement soit au bien de Père. Pour de la confiance aussi, la foi, mon bénévole Père Seigneur, soit aussi renouvelé. Dans le cœur de mon frère, le Père de ma soeur, le Père Seigneur, on est à votre avantage encore, le Père Clément. Nous avons la victoire, mon bénévole Père Seigneur, nous te supplions, mon roi. Viens parmi nous encore, mon bénévole Père Seigneur. Et accomplis encore ta parole, mon bénévole Père. Ta bonne parole, mon bénévole Père, tu dis ça. Et manifeste encore ta bonté, Seigneur. Soutiens chacun de nous encore, mon bénévole Père. Et accomplis encore ta parole, mon bénévole Père. De louons, mon bénévole Père, tu dis ça. De glorifions, mon bénévole Seigneur. Oh, que ton Seigneur soit dégagé encore, mon bénévole Père. Oh, pour que l'on voit notre enfant, mon bénévole Père, tu dis ça. Pour ta bonté, pour ta grâce, mon bénévole Père Saint. Soutiens chacun de nous encore, mon bénévole Père. Merci pour la victoire, mon bénévole Père, qui est encore ta Père. Oh Dieu, tu as souffert, tu as loué, tu as mon bénévole Père Tout-Puissant, pour que ce matin je sois victorieux, mon bénévole Père Saint. Tu as dit que la tiration est sévère, mon bénévole Père Dieu. Tu viens toi de mon frère, mon bénévole Père, pour qu'on voit notre bon Dieu, parce que tu es vraiment notre Dieu. Oh, que ton nom soit célébré à jamais, mon bénévole Père. Pour ta grâce et ta bonté, mon bénévole Père Dieu. Tu es un secours, mon bénévole Père Tout-Puissant. Il ne m'a fait jamais autant de détresse. Souviens-toi de mon bénévole Père Saint. Pour le voir, pour le rester ferme, pour le voir, oh, mon âme de l'Église en France, ma grande Seigneur, ta grande bonté, ta grande compassion. Oh, souviens-toi de nous, pour en vivre pour ta gloire, pour nous honorer. Oh, souviens-toi de chaque fois, de chaque soir. Oh, de tout ton peuple, dans le monde entier, de chaque nuit, pour nous honorer. Regarde ce peuple. Merci, merci, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton secours et ton soutien. Oh, tu nous soutiens. Nous montre la voie sûre pour nous conserver. Garde-nous cette grâce. Apporte-nous pour ce soutien, ce secours, Père. Nous voulons être des disciples, Père. Nous voulons pas suivre quoi que ce soit, mon bénévole Père Saint. Nous voulons être sûrs et certains que nous sommes réellement dans la voie et marchons pour ta gloire et tes servants, mon bénévole Père Saint. Gardant la parole, nous voulons retenir ta parole à toi, mon bénévole Père Saint. Oh, Dieu, comme Marie l'a gardé, au Dieu de Père, la bénédiction des promesses de Père, elle était là, dans son cœur, dans son âme, au bénévole Père Tout-Puissant. Nous voulons réellement garder ta parole, au bénévole Père. Oh, elle a la vie en elle, nous recevoir. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis nos enfants, Seigneur. Garde ce peuple qui est à toi. De loin, c'est mon bénévole Père Saint, je vais parler à ton Seigneur. Je t'ai ainsi prié. Oh, Dieu, pour la gloire et au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Merci pour ta bonté, Père. Soutiens-nous. Et de la paix à ton peuple, mon bénévole Père Tout-Puissant. L'assurance aussi, mon bénévole Père Saint. Oh, qui c'est un peuple précieux, c'est un peuple spécial, mon bénévole Père Tout-Puissant. Un peuple qui est à toi, né de nouveau, accroché à toi, mon bénévole Père Seigneur.
Oh Dieu, au travers des qui doivent accomplir tes promesses à travers les Père Saint, Seigneur. Oh Dieu, ils sont plus que vainqueurs, mon roi. Le monde n'a plus rien attendu, le roi sur les Père Saint, parce que toi, notre Maître, tu as vaincu toutes choses. Louange et honneur à toi. Nous t'avons ainsi prié avec remerciement, mon bénévole Père. Merci pour la victoire qu'ils ont contre ta mère. Elle a fait sortir nos pères dans la tombe, mon bénévole Père Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, mon roi, tu es vraiment victorieux, mon Seigneur. Tu as vraiment vaincu l'enfer, mon bénévole Seigneur. On a oublié, Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Fortifie ma soeur et mon frère, mon père, son vrai, mon bénévole ton Dieu, et apporte la grâce pour toi. Nous t'avons ainsi prié, Père Saint, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Avant que nous chantons cantique, je voudrais juste vous dire que c'est ici le dernier dimanche. Dieu voulant, la semaine prochaine, je suis donc parti. Je pars pour Haïti. Je suis invité, comme je vous l'ai toujours dit ici. Je n'écris pas aux gens, mais c'est le Seigneur lui-même qui touche Amen. Le cœur des différents prédicateurs dans différents pays. Et c'est eux qui m'écrivent pour dire que nous avons été touchés. Le Seigneur nous a conduits à organiser des grandes réunions là-bas. Donc je pars pour Haïti, pour apporter la parole de Dieu dans différentes villes, que les pasteurs se réunissent et ils veulent effectivement apporter aussi la parole de Dieu. Ils iront aussi dans différents endroits aussi. Donc je pars et je reviens début mai. Donc je pars déjà, c'est jeudi 18, pour revenir début mai. Que le Seigneur donc accorde la grâce. Pensez à moi dans vos prières. Et vous resterez avec mon précieux frère Momo. Vous priez beaucoup pour lui. Dieu le bénisse richement. Je suis heureux pour cela et que Dieu le soutienne et le fortifie et qu'il donne encore davantage pour qu'il continue à pouvoir le servir. Notre frère Yves de la Jean aussi viendra aussi. Notre frère Daniel aussi, qui vous aime aussi, viendra. Ainsi que notre frère aussi, Pascal aussi, des Darbon viendra aussi. J'étais touché ce jour-là, je pense que c'était dans mon bureau, j'allais parler à mon famille. Et là, je reçois un appel, tout d'abord au secrétariat, donc l'appel est arrivé. Et le frère qui, vous savez, beaucoup se connaissent ici. Hein. Il y a donc un frère qui est aux États-Unis, dans la ville de Roy. Donc là, il réside avec aussi sa famille. Et il m'a appelé en me disant, mais j'ai vu qu'effectivement, que tu partais donc en Haïti. Et alors, je suis vraiment aussi dans la joie parce que je voudrais, comme je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir aussi vous rencontrer face à face, je voudrais aussi payer aussi mon billet pour rejoindre là-bas, afin de pouvoir aussi prendre part aux réunions qui se tiendront de l'autre côté aussi en Haïti. Donc, il a demandé pour voir mon programme d'avion. Il a déjà contacté aussi les frères qui se trouvent là-bas, les pasteurs, là-bas aussi, là-bas en Haïti, pour qu'ils puissent aussi lui donner la possibilité aussi prendre part aux réunions. Il va payer donc son. Je crois qu'il voudrait aussi être là-bas pour m'attendre aussi à l'aéroport pour me recevoir aussi. Que le Seigneur le bénisse richement. Amen. C'est quelque chose que Dieu travaille dans le cœur des uns comme des autres. Ils ont besoin de pouvoir réellement s'y rendre. Priez pour moi, parce que je sais que c'est un pays lointain, aussi un pays dont ils ont une grande attente là-bas. Est-ce que le Seigneur puisse faire quelque chose? Parce que déjà le pasteur dit, mais je voudrais déjà travailler en collaboration avec vous, à cause simplement de ce qu'il a eu à pouvoir entendre comme prédication, de voir ce que le Seigneur fait aussi. Et tous les autres aussi veulent aussi, effectivement. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup d'âmes qui sont là-bas, d'autres témoins qui sont aussi délivrés, guéris aussi. Et je pense que le Seigneur, notre Dieu, accordera la grâce. Amen. Et comme vous le savez, je compte beaucoup sur vos prières aussi. Amen. J'ai encore des invitations qui viennent là pour aller enseigner dans notre pays. C'est prier pour moi, pour que Dieu donne la force dans la santé. Afin que je puisse accomplir encore sa volonté comme il veut. Et priez beaucoup aussi pour mon précieux frère. Donc, soyez vraiment dans la paix. Amen. Restez confiant dans le Seigneur. Amen. Et quoi qu'il arrive, tenez toujours ferme la parole de Dieu. Nous avons trouvé la grâce de marcher avec lui. Nous sommes sûrs et certains que si la trompette retentit ici, nous le verrons. Amen. C'est pourquoi nous devons demeurer dans la foi et continuer à pouvoir le servir et prier aussi. Que l'amour du Seigneur soit vraiment aussi ardent dans vos cœurs, priant les uns pour porter le fardeau des uns pour les autres et pensant toujours droit à la droite de chacun. Priez aussi que le Seigneur accorde la grâce qu'il y ait aussi des guérisons pour ceux qui veulent. Priez aussi des délivrances aussi, parce qu'ils attendent effectivement la parole. Ils avaient dit, les frères avaient dit qu'ils voudraient effectivement organiser des réunions pour 14 à 15, mais j'ai dit, frère, commencez d'abord par. Parce que 14 à 15 000, c'est parfois physiquement, on ne sait pas tenir. Vous ne vous rendez pas compte quand vous priez pour les malades et vous êtes complètement vidé. J'étais en pointu que ça puisse tenir debout.
Amen. Dans différents pays, quand tu pries. Vous savez, quand vous priez pour les malades, quand Dieu dit, vous sentez une force qui sort de vous. Et vous sentez vidé. Parfois, je n'arrive plus à tenir, effectivement. Tu fais des efforts pour que les gens ne remarquent pas, mais parce que les gens pensent beaucoup, parce qu'ils vont dire, oui, il fait ça. Non, c'est quelque chose qui vous arrive, vous sentez vidé, mais vous vous forcez pour vous tenir. Mais j'ai prié, j'ai dit, bon, je dis, mais que le Seigneur vous aide, je voulais simplement que je pouvais commencer par groupe, par-ci, par-là. Peut-être plus tard, peut-être une autre fois, on peut faire. En fait, je voulais vraiment avoir des grands stades, effectivement, pour organiser cela. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, la force dans l'homme éternel, ça. Mais j'ai confiance que Dieu a confiance. Alors nous allons prier, que Dieu nous aide en silence.